En 1918, à l'issue de la Première Guerre mondiale, 80 000 soldats venus des colonies ne rentreront jamais, tués dans les tranchées ou disparus dans le fracas des obus. Des monuments sont érigés à la gloire de ces soldats de l'Empire, de Hanoï en Indochine jusqu'à Casablanca au Maroc, où un cavalier français et un spahi d'Afrique du Nord deviennent des frères d'armes. Et aux survivants, la patrie reconnaissante. Alors l'état-major multiplie les remises de décorations à ses soldats émérites. Ceux que l'on moquait comme des sauvages ont payé par leur sang le prix du respect, à défaut de celui de l'égalité. Même Félix Mayol, la star d'avant-guerre, ne se moque plus de la cabane bambou. Parmi les Sénégalais qu'ont fait venir pour la revue, jour du 14 juillet se trouvait la chose inconnue. Un grand gaillard à la peau noire, aux dents comme l'ivoire, je vais vous conter son histoire dans cette chanson. Il raconte désormais l'histoire d'un tirailleur à la peau noire comme l'ébène, qui séduit par sa beauté. Un matin au coin de la rue du 4 septembre, il connut un petit trottin aux cheveux dorés comme l'ambre. Ils s'aimèrent toute une semaine, mais ils furent compas de veine, repartis pour la terre africaine. Ce fut déchirant, et la blonde enfant disait en pleurant, il s'appelait Boutou Badabou. Un homme de couleur, et c'est une révolution pour l'époque qui fait tourner les têtes des femmes françaises. Et tandis que les tirailleurs prennent le chemin du retour, les équilibres du monde sont en train de changer en ce début 1919. Lorsque le président américain Woodrow Wilson arrive en France pour participer aux négociations de paix, il est accueilli par une foule enthousiaste dans les rues de Paris en l'honneur du sacrifice des soldats américains. Les Français ignorent alors que Wilson s'apprête à bousculer l'ordre mondial et qu'il va contrarier les ambitions coloniales de ses alliés. Quand il arrive au château de Versailles, l'Américain ne compte pas laisser le Français Georges Clemenceau et le Britannique Lloyd George intégrer à leur empire les colonies des deux perdants du conflit, l'Allemagne et l'Empire ottoman. Dans la Galerie des Glaces, Wilson crée la surprise en imposant l'idée d'une société des nations qui devra veiller à la concorde internationale. Cette SDN sera désormais la seule à pouvoir donner mandat à un pays pour en contrôler un autre, et ce ne pourra être que temporaire. Pire, Wilson impose un nouveau droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui doit les conduire un jour à l'indépendance. Un bras de fer s'engage entre les alliés. Georges Clemenceau et Lloyd George parviennent à préserver l'essentiel. Ils obtiennent finalement que ce nouveau droit à l'autodétermination ne concernera pas les peuples déjà colonisés. Et s'ils ne peuvent s'approprier les dépouilles coloniales des perdants, ils parviennent à se les faire attribuer provisoirement par la nouvelle Société des Nations. Ce seront donc des mandats sous contrôle international que la France et la Grande-Bretagne auront sur les terres africaines allemandes. Cameroun et Togo pour la France, Tanzanie pour la Grande-Bretagne. Surtout, les deux pays s'installent au Proche-Orient grâce au mandat que leur confie la SDN sur les anciennes provinces de l'Empire turc de Constantinople. Irak, Jordanie et Palestine à la Grande-Bretagne. Liban et Syrie à la France.
Et voici le général Gouraud, qui en 1920 débarque au Liban pour diriger le mandat français. Le général fait une entrée solennelle à cheval dans les rues de Beyrouth, dans une mise en scène de la puissance française, désormais bien rodée. Si les Libanais applaudissent le représentant de la France, c'est notamment parce que les Maronites, la communauté chrétienne du pays, célèbrent la fin de la domination turque sur le Liban, et surtout parce qu'ils comptent sur les Français pour éviter de tomber sous une autre domination, celle des Syriens de Damas et de leur chef, l'émir Faisal. L'émir a joué un rôle important pendant la guerre, s'alliant aux Anglais pour chasser les Turcs de Damas. C'est sœur Laurence, connue sous le nom de Laurence d'Arabie, qui a servi d'intermédiaire avec Faisal pour lever une armée arabe contre l'Empire de Constantinople. En échange, Laurence avait promis à Faisal la création d'une grande Syrie indépendante englobant le Liban. Mais lorsque Faisal arrive à Beyrouth pour négocier avec le général Gouraud, il a été trahi par ses alliés britanniques qui ont choisi de se partager le Moyen-Orient avec la France. Faisal et les Syriens tenteront bien de résister. Mais ils sont balayés en quelques jours par l'armée française. Et Faisal devra s'exiler en Jordanie. La Syrie est désormais sous mandat français. Et en 1920, le général Gouraud peut donc proclamer la création d'un grand Liban. À la province de Beyrouth, Gouraud ajoute la province de Tyr au sud et celle de Tripoli au nord. Surtout, il ajoute la plaine céréalière de la Bekaa vers l'intérieur de la Syrie. La France vient de créer de toutes pièces un État politiquement sûr et économiquement viable. Alors, dans les plaines de ce nouveau pays, chrétiens et musulmans, main dans la main, portent en triomphe les nouvelles autorités françaises qui viennent de leur offrir cette précieuse identité libanaise dont ils rêvaient depuis longtemps. L'Empire français, le deuxième au monde après celui des Britanniques, vient d'atteindre son apogée territorial. Avec le Liban, la Syrie, le Cameroun et le Togo, jamais le domaine colonial de la France n'avait été aussi étendu. Mais comment organiser cet empire? Et surtout, comment faire cohabiter des colons avec ces populations locales qui ont dû se soumettre? Pour le comprendre, il faut quitter la métropole. En profitant des lignes maritimes régulières au départ de Marseille, devenu le grand port des colonies, d'où partent les paquebots à destination de l'Asie, d'Afrique noire, et surtout du Maghreb, de l'autre côté de la Méditerranée. Les trois départements français d'Algérie sont en effet le meilleur exemple de cette colonisation poussée à son paroxysme. Seule colonie de peuplement de l'Empire, l'Algérie compte en 1920 près de 800 000 Français pour 5 millions d'Algériens musulmans. Parmi ces Français, 120 000 Juifs d'Algérie, devenus citoyens de la République depuis 1872. À Alger, ces Européens vivent dans les quartiers de Bab El Oued, en bord de mer, ou le long de ce port de commerce qui fourmille d'activités. Au fur et à mesure du développement de la ville par les Français, une véritable ségrégation géographique s'est organisée entre les communautés.
Ceux que l'on appelle à l'époque les Algériens musulmans habitent la Casbah, cet incroyable dédale de ruelles qui grimpe le long de la colline au-dessus du port. Une Casbah que les cinéastes amateurs aiment filmer, tant elle témoigne du profond décalage qui existe entre les communautés. Cette séparation géographique est aussi et surtout administrative, comme dans toutes les colonies. Le statut de l'indigénat, inventé par la République à la fin du 19e siècle, est venu graver dans le marbre l'inégalité juridique entre les Français et les sujets de l'Empire. Un statut qui dépossède les Algériens, comme tous les peuples colonisés, de leur liberté fondamentale. Interdiction d'aller et venir d'une commune à l'autre sans un laissez-passer. Interdiction de se réunir sans autorisation. La liste est longue de ces délits auxquels le statut de l'indigénat répond par des sanctions, elles aussi spécialement réservées aux Algériens. Amende, travail obligatoire, internement administratif, confiscation de terres. Des punitions qui ne permettent aucune défense, ni aucun recours. Malgré cette discrimination administrative et politique, la République va tout de même essayer, au nom de sa mission civilisatrice, d'assimiler les Algériens, à travers un ambitieux plan de scolarisation des enfants musulmans. Mais cette noble ambition va se fracasser sur des obstacles insurmontables. Les premiers à refuser d'envoyer leurs enfants sont les musulmans eux-mêmes, pour qui l'école de la République, c'est surtout celle de l'occupant. Pas question de trahir sa culture et sa religion. Et pour ceux qui acceptent de jouer le jeu de l'école française, l'expérience se transforme vite en malaise diffus. Un malaise dont témoigne l'Algérien Sadek Adjeres, futur militant nationaliste, qui se souvient de l'enseignement qu'il a reçu à Tizi Ouzou. L'histoire qu'on nous enseignait se résumait ainsi. Toute la barbarie et le fanatisme de notre côté, tout l'héroïsme, toute l'humanité du côté des Français et de leur système. Nous éprouvions un mélange de honte et d'irritation, de désarroi et de colère. La honte et le désarroi venaient de ce que, dans nos pauvres cervelles, nous n'avions pas grand-chose de précis à opposer à ce qui était écrit là, noir sur blanc, dans ce livre qui ne devait pas mentir, puisque ne mentait pas le livre de mathématiques. Si les Algériens ne veulent pas de l'école française, c'est surtout le refus des colons qui va condamner l'ambition scolaire de Paris. Les colons s'opposent à la construction d'écoles dans leur village, de peur que l'éducation des Algériens ne signifie se mettre demain un revolver sur la tempe. Une intransigeance des colons d'Algérie pour le moins surprenante, car loin de l'image que l'on a souvent d'eux, 80% de la population européenne est composée de familles modestes, d'artisans, de petits commerçants, d'employés de bureaux ou de simples fonctionnaires, aux conditions de vie aussi difficiles qu'en métropole. Ici, en Algérie, quand on a une situation modeste, on vote plutôt à gauche, à l'image de ce qui se passe partout ailleurs en France. Ce qui fait la spécificité de la vie coloniale, c'est que ces modestes Français sont ici parmi les 20% les plus riches de la population. Pour eux, demeure ainsi le sentiment d'appartenir à la classe dominante, et il ne peut être question pour rien au monde que cela change. Cette vie quotidienne dans l'Algérie française, comme cette fracture profonde entre les communautés,
C'est sans doute l'écrivain Jules Roy qui en parle le mieux. Celui qui obtiendra le Grand Prix de l'Académie française sera, à la fin de sa vie, un fervent défenseur de la décolonisation de l'Algérie, où il est né en 1907. Dans cette campagne de la Mitidja, qu'il raconte dans un livre consacré à son pays natal. Mon origine profonde s'enracine à Sidi Moussa, un petit village de colonisation construit sur un carrefour de route, avec son église minuscule, son bistrot, son école, sa poste et ses maisons en tuiles rondes. L'été, mon oncle Jules allait de ferme en ferme battre le blé. Près des meules, sous le ciel de feu, je me laissais prendre des jours entiers à la griserie de soleil et de poussière qui régnait de l'aube au crépuscule. Et Jules Roy de raconter l'image qu'il avait enfant de ces Algériens qu'il côtoyait au quotidien. Moi qui les ai toujours vus travailler, je me suis toujours étonnée d'entendre dire que les Arabes ne faisaient rien. Ce que je savais, parce qu'on me le répétait, c'était qu'ils étaient d'une autre race que moi, inférieure à la mienne. Nous étions venus défricher leurs terres et leur apporter la civilisation, me disait-on, en me rappelant sans cesse, ce sont des gens qui ne vivent pas comme nous. Cette phrase jetait en réalité un voile pudique sur leur pauvreté. Ce qui était une grande et profonde misère n'était soi-disant qu'un refus de coucher dans des lits ou d'habiter des maisons bâties en dur. Je le croyais volontiers, et du coup, leur état ne pouvait m'émouvoir. Ce fut un grand étonnement pour moi quand je m'aperçus peu à peu qu'ils étaient des hommes semblables à nous. Qu'ils riaient, qu'ils pleuraient, qu'ils étaient capables de sentiments nobles comme la haine ou l'amour, la jalousie ou la gratitude. Malheureusement, mes compatriotes français d'Algérie, qui ne sont pas méchants, n'ont toujours pas fait la même découverte que moi. La France ne veut pas voir que cette discrimination et cette inégalité minent irrémédiablement sa présence dans le pays. Et tout à son obsession civilisatrice, la République modernise l'Algérie à marche forcée, avec la construction de 15 000 km de routes, de centaines de ponts et de voies de chemin de fer, qui doivent permettre de traverser l'immense pays. La France est notamment fière de la ligne du Sud qui part de Laguatte. Un train qui chemine à travers des zones dépeuplées et arides pour s'arrêter à Tougourt, aux portes du Sahara. Un désert du Sahara qui reste comme une frontière infranchissable au milieu des possessions françaises en Afrique. Car de l'autre côté de l'immensité brûlante se trouve le Soudan français, en Afrique occidentale. Mais grâce à la concurrence acharnée que se livrent deux grands industriels de l'automobile, il va bientôt être possible de réussir, autrement qu'à dos de dromadaire, cette périlleuse traversée saharienne. C'est André Citroën qui, le premier, va s'attaquer à l'incroyable défi. Quelle meilleure publicité pour la marque qu'il a créée que de mettre au point le premier véhicule tout-terrain et de le lancer à l'assaut du désert algérien. Citroën expérimente son étrange machine à chenilles dans une friche qui borde son usine. Et en décembre 1922, à Tougourt en Algérie, l'expédition transsaharienne Citroën s'élance. Destination Tombouctou et le fleuve Niger. Trois
3200 km en 8 étapes à travers les dunes de sable d'un Sahara hostile. Après 22 jours, l'équipe et Citroën atteint la mystérieuse et mythique Tombouctou. Pour la première fois, des hommes motorisés ont relié l'Algérie au Soudan français. Mais le succès de Citroën sera de courte durée. Car Louis Renault ne compte pas se laisser dépasser. Il met donc au point un véhicule de 10 chevaux à 6 roues qui part à l'assaut du Sahara en 1924, au départ de Colombéchard. Plus solide, plus rapide, les 10 chevaux de Renault atteignent Gao au Soudan en quelques jours à peine. La démonstration est si probante que les militaires français choisiront les véhicules Renault pour équiper leurs troupes coloniales plutôt que les fragiles auto-chenilles Citroën. Surtout, c'est Renault qui sera autorisé à ouvrir les premières lignes commerciales transsahariennes qui feront la jonction entre l'Algérie et l'Afrique occidentale française. Mais pendant que les explorateurs Renault paradent dans les rues d'Alger, André Citroën est déjà en train de préparer sa revanche. C'est lui qui va gagner la bataille de la communication grâce à une idée folle. Traverser cette fois le continent africain tout entier. Une épopée humaine sans précédent de 20 000 km qui prend le nom de Croisière Noire. L'expédition embarque bien sûr un cinéaste dans ses bagages, Léon Poirier. Poirier et Citroën veulent un film à la gloire de la grande œuvre française en Afrique. Les explorateurs et leurs engins s'élancent au son d'une fanfare militaire qui joue la casquette du père Bugeaud, du nom du conquérant de l'Algérie. Et les 8 voitures s'éloignèrent par la piste du sud vers la grande aventure. Mali, Niger, Tchad, l'Afrique occidentale française, puis l'Oubangui, en Afrique équatoriale. Les spectateurs sont fascinés par l'expédition scientifique et ethnologique à la découverte des peuples africains les plus éloignés. C'est un peu plus loin, au cours d'une reconnaissance au cœur même de la forêt vierge, que la mission découvrit l'état le plus primitif de la vie humaine. Cet étrange petit gnome était un mambouti ou pygmée, être humain dont la taille ne dépasse pas 1m30. Une expédition qui se termine dans l'océan Indien, sur l'île française de Madagascar, où l'ensemble de la petite communauté européenne de la colonie est rassemblée pour fêter les prestigieux visiteurs. Des visiteurs qui, comme il se doit, fleurissent pour la séquence finale du film de Poirier, la statue du général Gallieni, qui avait imposé dans le sang le drapeau français à Tananarive. Dans les cinémas Gaumont, le succès de La Croisière Noire sera phénoménal. La France tente d'oublier le traumatisme de la guerre. C'est le temps béni du jazz et du style art déco. Paris bascule dans les années folles. Des années excentriques et exotiques, irriguées d'imaginaires coloniales et africains. Les balles de Montparnasse rivalisent d'audace dans un mélange de corps qui se dénude. L'Afrique devient même une source d'inspiration pour les peintres, écrivains et sculpteurs de l'époque, à la recherche d'un art brut presque originel.
L'américaine Josephine Baker est la première artiste noire à triompher sur les planches avec sa revue nègre et son Charleston. Mais pendant que Paris s'enivre à la santé de l'Empire et que l'on s'amuse sur les plages de Deauville à imiter Josephine Baker, les autorités françaises doivent faire face à un vent de révolte. Cet empire que la France veut croire tout puissant va tout à coup être fragilisé dans plusieurs territoires. Et d'abord au Maroc, conquis en 1912, mais dont la pacification n'est pas encore terminée. Au lendemain de la guerre, le maréchal Lyautey avait engagé une ambitieuse politique de transformation du royaume chérifien. À Casablanca, le résident français peut contempler fièrement son œuvre. À côté de l'ancienne Médina et de ses remparts, le bâtisseur a construit une nouvelle ville, avec ses immeubles à l'architecture moderne et ses grandes avenues tracées par les Français. En quelques années, les chantiers se sont multipliés. Tous les architectes, en vogue à Paris, ont débarqué dans la ville blanche, façonnant un condensé d'architecture qui fera la légende de Casablanca. Et ce qu'il a entrepris à Casablanca, Lyautey l'a aussi réalisé à Rabat, la capitale, comme à Marrakech, la perle du Sud, ou encore en imaginant le port de Kénitra, dont il a signé en personne les plans de la nouvelle ville. Partout dans le pays ont ainsi surgi des bâtiments de l'administration que les voyageurs de passage s'amusent à filmer, tant ils ont l'impression d'avoir été propulsés dans de petites villes de la province française. Le bâtisseur est obsédé par son royaume, dont il rêve de façonner chacune des routes, des villages ou des champs. Sa stratégie est celle de la tache d'huile civilisatrice qui doit se répandre dans tout le pays. Cette stratégie politique s'appuie notamment sur le sultan Moulay Youssef, qui a pris la suite de ses frères au moment du protectorat. Pour Hubert Lyautey, il faut renforcer le pouvoir politique et spirituel du sultan, car seul un sultan fort permettra de rallier les derniers chefs de tribus hostiles, au sud et à l'est de la zone occupée par les Français. Lyautey en est certain. La pacification du royaume sera définitivement acquise très bientôt. Mais le subtil équilibre, patiemment élaboré par le maréchal, va soudainement être mis en péril par une révolte dans les montagnes du Rif. Le Rif, c'est un massif montagneux situé dans la zone occupée par les Espagnols depuis 1912, au nord du Maroc. Un massif difficile d'accès, de 300 km de long et 60 km de large, qui de tout temps a abrité des tribus hostiles à tout pouvoir extérieur. C'est au cœur de ce massif montagneux qu'Abdelkrim el-Khattabi, avec à peine 3000 hommes, met en déroute en 1921 l'armée espagnole, avant de proclamer l'indépendance de la République islamique du Rif. Parvenant à résister aux Espagnols pendant de longs mois, Abdelkrim s'imagine bientôt pouvoir libérer le royaume marocain tout entier, défiant à la fois le sultan Moulay Youssef et surtout le résident général Hubert Lyautey. Lyautey n'a pas senti venir le danger, préférant voir dans l'échec des Espagnols la confirmation de sa propre réussite. Mais cette fois, les troupes d'Abdelkrim menacent sérieusement la ville de Fès,
et le gouvernement à Paris perd patience. Lyautey a trop tergiversé. Il n'est plus l'homme de la situation. C'est donc un autre maréchal, auréolé de sa victoire à Verdun, qui est dépêché sur place en urgence pour montrer à ses tribus ce qu'il en coûte de se dresser contre la France. Lorsque le maréchal Pétain atterrit à Casablanca en août 1925, le sort d'Hubert Lyautey est scellé. Le résident général préfère démissionner quelques semaines plus tard afin d'éviter l'humiliation d'un renvoi. À son départ du royaume, une foule compacte et silencieuse accompagne Hubert Lyautey sur le port de Casablanca pour un dernier adieu. Au même instant, le maréchal Pétain applique ses ordres avec zèle. Le gouvernement vient de s'engager dans une guerre d'ampleur, mobilisant jusqu'à 300 000 soldats français qui s'ajoutent aux 100 000 espagnols pour partir à l'assaut du Rif marocain. À Paris, une partie de la classe politique ne va pas accepter cette nouvelle guerre coloniale. Une guerre qui va révéler les profondes contradictions qui existent au sein de la gauche française. Car c'est le même gouvernement du cartel des gauches qui lance les armées françaises au cœur du Maroc et qui a fait entrer lors d'une impressionnante cérémonie les cendres de Jean Jaurès au Panthéon. Jaurès, celui qui, dans des discours enflammés, était justement le plus violent pourfendeur de la première intervention française au Maroc en 1912. Pour les radicaux qui dirigent le gouvernement avec le soutien des socialistes de la SFIO, cet hommage national à Jaurès, assassiné en 1914, était pourtant le meilleur symbole possible du rassemblement de la gauche. Mais lorsque ce même gouvernement envoie le maréchal Pétain au chevet des Espagnols à l'été 1925, il déclenche une grave crise politique avec le tout nouveau Parti communiste français qui a fait scission du Parti socialiste et qui décide de marquer sa différence sur les questions coloniales. Pour la première fois, un parti politique va défendre le droit des peuples colonisés à se rebeller contre le colonisateur. Les communistes vont jusqu'à appeler les ouvriers français en octobre 1925 à une grève générale contre les guerres coloniales du gouvernement. Une dénonciation d'autant plus vive qu'au Rif marocain vient de s'ajouter en cet automne 1925 un nouveau front, au cœur du mandat français en Syrie, dans la province des montagnes Druze. Cette fois, c'est l'incompétence des administrateurs militaires qui a déclenché l'incendie. La communauté druze, fière de ses coutumes et des spécificités de sa religion musulmane, s'est en effet enflammée lorsque le jeune capitaine Carbillet a été nommé pour occuper la maison du gouverneur qui trône au sommet d'une colline caillouteuse et désertique. Malgré sa volonté de développer la région, l'officier est autoritaire et brutal, et il n'a que faire des traditions locales. Il devient très vite la bête noire des grandes familles, comme la famille El Atrash, qui structure la vie de la communauté depuis des siècles. Une incompréhension des militaires français à laquelle les Druzes sont à nouveau confrontés lorsqu'ils tentent de se plaindre auprès du haut commissaire français au Levant, le général Sarraï. Sarraï est un officier à l'ancienne, attaché à la laïcité, qui ne veut pas comprendre ces territoires multiconfessionnels
où les religions jouent un rôle essentiel. Le général ne prendra même pas la peine de recevoir la délégation druze. Une somme de vexation qui déclenche une violente révolte. Non seulement le jeune leader druze, Sultan El-Atrache, remporte plusieurs batailles contre les Français, mais bientôt la révolte se transforme en une dangereuse révolution quand plusieurs tribus se joignent au mouvement pour chasser les Français de toute la Syrie. Les rebelles atteignent bientôt Damas. Alors, le général Gamelin, envoyé sur place pour mater la révolte, choisit la politique du chaos. Gamelin bombarde la capitale syrienne sans interruption pendant près de 60 heures. Après 3 jours, il ne reste rien des quartiers de Damas qui abritaient les rebelles. Progressivement, l'armée française va reprendre ses positions à Damas, puis dans tout le pays. C'en est bientôt fini de la grande révolte syrienne qui a fait vaciller le mandat français. Au même moment, à l'autre bout de la Méditerranée, le maréchal Pétain, fort de ses 48 bataillons, de ses 2 compagnies de chars et de ses 3 escadrilles d'avions, lance le 8 mai 1926 l'offensive finale contre la République du Rif d'Abdelkrim. Des villages entiers sont détruits. Des bombes asphyxiantes ont été larguées par l'aviation. Des milliers de civils ont été tués pendant l'offensive franco-espagnole. Abdelkrim el-Khattabi est obligé de se rendre aux soldats français, qui choisissent comme à chaque fois de l'exiler, à grand renfort de caméras. Le Rifain et sa famille prennent la direction de l'île française de La Réunion, à des milliers de kilomètres de leur montagne marocaine. À Paris, les révoltes du Maroc et de Syrie ont sonné comme un douloureux avertissement. Le gouvernement du cartel des gauches a conscience qu'il est impératif de réformer le système colonial. Mais pour y parvenir, il faut cesser de nommer des militaires à la tête des protectorats et des mandats français. Le gouvernement décide donc que ce seront désormais des civils qui seront désignés au Maroc, au Liban et en Syrie. Quant aux grandes colonies françaises, elles vont être confiées à des responsables politiques expérimentés qui auront l'autorité nécessaire pour les transformer. C'est la raison pour laquelle le vice-président socialiste de la Chambre des députés, Alexandre Varennes, fondateur du journal La Montagne, embarque à Marseille à l'automne 1925 pour rejoindre le poste de gouverneur général de l'Indochine. Lorsqu'il arrive à Saïgon en Cochinchine, puis à Hanoï au Tonkin, Alexandre Varennes, 55 ans, découvre une Indochine multiple, qui n'est qu'une création administrative des Français, rassemblant des territoires aux populations très diverses et aux cultures ancestrales. Au Cambodge, le nouveau gouverneur admire les impressionnantes ruines d'Angkor, cette cité antique que les archéologues européens sont en train de faire peu à peu surgir de la jungle. Respectueux des peuples indochinois et de leur histoire, Varennes espère mettre en œuvre une nouvelle politique
dont il résume la philosophie en quelques mots. Protéger plutôt que dominer. Pour le socialiste, c'est la seule solution si on veut éviter qu'une fièvre nationaliste ne se déclare. Car les inégalités sont en train de se creuser violemment. Tout le pouvoir politique et économique est en effet dans les mains des 25 000 Français présents sur place, tandis que les 19 millions d'Indochinois sont maintenus dans une situation de soumission. Une petite société coloniale qui compte à peine 6 000 militaires et 3 000 fonctionnaires pour administrer un vaste territoire. Le reste de la communauté française est composé de colons qui profitent des richesses de la perle de l'Empire. La colonisation, c'est avant tout la captation de matières premières. Les colons, ce sont ceux qui investissent et organisent cette captation. En Indochine, la pierre angulaire de ce commerce est le port de Saïgon, édifié comme toute la ville par les Français, et d'où partent par bateau les millions de tonnes de riz, de caoutchouc et de charbon qui sont expédiés vers la métropole. Le charbon provient notamment des gigantesques mines à ciel ouvert de Ongai, près de la baie d'Along, où des milliers de coolies, ces ouvriers indochinois, travaillent dans des conditions particulièrement difficiles. Pour augmenter la rentabilité du site, les Européens ont mécanisé la récupération du minerai dans un impressionnant et incessant balai. Mais c'est surtout dans les plantations d'EVA, près de Saïgon, que le capitalisme colonial va le plus investir. Et c'est là que les bénéfices vont être les plus importants pour les colons. En quelques années, la production de caoutchouc a été multipliée par 3, tant la demande de pneumatiques est forte en Europe. Les plantations sont de plus en plus grandes. Et il faut engager toujours plus de coolies. Des milliers de travailleurs recrutés dans toutes les provinces d'Indochine qui, une fois parvenus près de Saïgon, se retrouvent sans droit et corvéables à merci. Un prolétariat du caoutchouc dont les conditions de vie s'apparentent presque à de l'esclavage. C'est notamment pour arrêter cette dérive du capitalisme colonial qu'Alexandre Varenne a été nommé en Indochine. Le gouverneur général décide alors de rédiger un code du travail spécifique qui doit s'appliquer aux grandes plantations d'EVA, à celles qui cultivent le thé, comme aux mines de charbon. Un code qui précise les conditions de recrutement et notamment l'obligation pour les colons d'établir un contrat fixant salaire et temps de travail. Des règles qui demeurent inférieures aux droits des travailleurs français de métropole, mais qui, en Indochine, sont déjà une petite révolution. Pour Varenne, la mission civilisatrice de la France exige aussi de former une élite locale, qui pourra un jour prendre son destin en main. Le gouverneur décrète donc que les indigènes, comme on les appelait, auront désormais accès à certaines fonctions administratives françaises, et que des écoles normales pour enseignants, comme des universités de médecine, seront créées. Mais les bonnes intentions du nouveau gouverneur vont se heurter à un mur d'incompréhension. La communauté française d'Indochine, qui représente à peine un habitant de la péninsule sur 1000, ne va pas accepter les modestes réformes d'Alexandre Varenne. Les colons ne supportent pas les nouvelles règles qui protègent leurs employés. Surtout,
Les Français, qu'ils soient colons ou modestes fonctionnaires, refusent avec véhémence les initiatives de Varenne qui visent à donner plus d'autonomie aux Indochinois. Ce qui, dans leur esprit, ouvre la porte à l'insupportable idée d'indépendance. Des campagnes d'une très grande violence visent le gouverneur général, que l'on cherche à faire passer pour un politicien corrompu, pour un trafiquant d'opium ou pour un fou dangereux qui menace les intérêts français. Isolé, à bout de force face à ces attaques mensongères, Alexandre Varenne choisit de revenir en métropole en 1927 et refuse d'être reconduit dans ses fonctions. Le socialiste a certainement compris avant les autres qu'il était désormais impossible de réformer le système colonial de l'intérieur, tant le lobby des colons est puissant, que ce soit à Alger, à Hanoï, comme dans tout l'Empire français. La France de 1927 est désormais acquise à l'Empire, dont la promotion est devenue un objectif gouvernemental à part entière. Les adultes des années 20, qui enfants avaient été bercés par les conquêtes coloniales françaises, découvrent maintenant la part importante que prend l'Empire dans l'économie du pays. Alors, on multiplie les expositions coloniales et autres foires, comme celle de Bordeaux, pour valoriser un port qui concentre l'essentiel des échanges de marchandises avec les colonies, ou l'étonnante exposition de Marseille, ville-monde, d'où partent et arrivent les lignes régulières qui parcourent le domaine colonial français. Cette glorification de l'Empire, voulue par le gouvernement, ils vont être nombreux parmi les artistes à y participer. Lorsqu'André Gide s'embarque à 57 ans pour l'Afrique noire en 1925, il veut rapporter un témoignage vibrant de la diversité de cette grande France qu'il s'agit de promouvoir. Tout au long de son périple, André Gide rédige le journal de bord d'une aventure humaine et littéraire qui va le bouleverser. Un voyage qu'il demande à son compagnon, le jeune Marc Allégret, de mettre en image. Ce premier film, Voyage au Congo, qu'il réalise à 26 ans, fera de Marc Allégret un cinéaste. Une œuvre dans l'esprit de l'époque, très ethnographique et uniquement dédiée à la découverte des différentes tribus, de leurs danses et de leurs coutumes ancestrales. À l'image de la plupart de ses contemporains, Gide est sincèrement colonialiste et défend l'œuvre impériale de la France qu'il espère sublimer de sa plume et magnifier grâce aux images de Marc Allégret. Mais rien ne va se passer comme il l'avait prévu. Car au fil du voyage, c'est une mauvaise conscience qui va gagner progressivement André Gide, dont la traversée de l'Afrique devient bientôt une descente dans les enfers de la réalité coloniale. Ce qui a bouleversé André Gide depuis Dakar au Sénégal jusqu'au Tchad, c'est d'abord la pratique abominable du portage. Cette terrible obligation pour les Africains, réquisitionnés dans leur village, de porter, dès qu'une route est inexistante, les Européens et leur matériel, qu'ils soient militaires ou civils. Et lorsque Gide est arrivé plus au sud, en Afrique équatoriale, il a été effaré, comme Pierre Savornian de Brazza 20 années plus tôt, par la généralisation du travail forcé au bénéfice de sociétés privées qui, quand elles payent ce qu'elles exploitent,
ne le font qu'avec quelques grammes de sel. Pour André Gide, l'heure n'est donc plus à la glorification de l'œuvre coloniale française, mais à sa dénonciation. Quel démon m'a poussé en Afrique? J'étais tranquille. À présent, je sais et je dois parler. C'est un régime qui est en cause. Un régime abominable qui encourage et favorise les pires abus. Qui ruine un vaste pays. Qui asservit et exténue tout un peuple. Lorsqu'il revient à Paris en 1927, André Gide publie à la NRF « Voyage au Congo ». Le scandale est immédiat. Un scandale politique entretenu par l'écrivain qui a alerté son ancien camarade de classe, le député socialiste Léon Blum. À la une du journal de la SFIO, Blum multiplie les articles au vitriol consacrés au témoignage de Gide. Léon Blum ira jusqu'à questionner les fondements même de la colonisation. Rien ne sera possible tant qu'on ne se sera pas attaqué à la base de la colonisation et avant tout à l'idée d'infériorité des races qui justifie le droit que prend le blanc de réquisitionner le noir à son service. Une polémique qui rebondit quelques mois plus tard lorsqu'Albert Londres, l'un des journalistes les plus influents de l'époque, choisit à son tour de partir enquêter sur les pas du célèbre écrivain. Un passage du livre de Gide l'a notamment interpellé. Celui où il évoque un colossal chantier ferroviaire au Congo qui serait un effroyable consommateur de vies humaines. Avec la ligne Congo-Océan, l'objectif de la France est de relier la capitale du Congo français, Brazzaville, à un nouveau port sur l'océan Atlantique qui deviendra Pointe-Noire. L'enjeu est de taille, car cette ligne doit devenir le moyen d'acheminer les richesses de toute l'Afrique équatoriale vers ce port pour ensuite les envoyer en métropole. Et pour y parvenir, la France va utiliser tous les moyens, même les pires. C'est la compagnie privée des Batignolles qui a obtenu la partie du tracé la plus délicate, à travers le Mayombé, un massif forestier tropical instable qu'il faut traverser sur 90 km. Lorsqu'il parvient au Mayombé, Albert Londres est presque saisi d'effroi. J'arrivais au sentier de fer. Là, 300 noirs des Batignolles frappaient des rochers à coups de marteau. C'était la grande hurle. Des contremaîtres transmettaient des ordres idiots avec fureur, commandant à la fois d'attaquer et de s'immobiliser, de monter et de descendre. J'ai déjà vu construire des chemins de fer. On rencontre du matériel sur les chantiers. Ici, que des noirs. Le noir remplace la machine, le camion, la grue et pourquoi pas l'explosif. Rien d'étonnant pour le reporter que ce chantier soit devenu le plus meurtrier de l'époque. Car la traversée du Mayombé provoque une véritable hécatombe. 1300 morts en 1925, 2500 en 1926, 2900 en 1927 et autant en 1928. Et ce que découvre Albert Londres, c'est que pour faire venir et faire mourir autant de travailleurs, il a fallu aller les chercher bien loin du Congo. On a envoyé des militaires et des contremaîtres rasier des dizaines de milliers d'hommes au Tchad, au Cameroun, au Gabon ou en Centrafrique. On les a installés dans des camps de fortune où ils ont été décimés par la fatigue ou la maladie. On considérera que plus de 20 000 Africains sont morts lors de ce colossal chantier ferroviaire. «
Si des articles d'Albert Londres vont faire l'effet d'une bombe, la France oubliera bien vite les milliers de morts du Mayombé, et rien ne pourra l'empêcher de célébrer son œuvre civilisatrice lorsque sera enfin ouverte la ligne de chemin de fer Congo-Océan. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. La jonction Brazzaville-Pointe-Noire du Congo-Océan est réalisée après 13 années de travaux. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Un aveuglement qu'Albert Londres moquera dans un de ses derniers articles. Ni argent, ni plan général, ni idée claire. Nous faisons de la civilisation à tâtons. Les indigènes fuient, d'autres meurent. Pendant ce temps, le gouvernement dit qu'il est optimiste. Et la France est heureuse d'être trompée. En ce début des années 30, la France veut en effet se donner l'illusion que l'Empire, c'est la gloire d'aujourd'hui et la sécurité de demain. Alors, après des années de préparation, le pays s'apprête à célébrer ses colonies. Au cœur du bois de Vincennes, un gigantesque chantier occupe des milliers d'ouvriers. C'est le maréchal Lyautey, le bâtisseur à la réputation flamboyante, qui a été chargé d'organiser cette ode à la mission civilisatrice de la France. Pour Lyautey, cette exposition est son véritable bâton de maréchal, venant couronner une vie entière consacrée à l'Empire français. Un empire que les meilleurs artisans du pays sont chargés de reproduire ici en miniature, avec pour point d'orgue la construction d'une copie du temple cambodgien d'Angkor Wat. Et le 6 mai 1931, le président de la République Gaston Doumergue, accompagné du maréchal Lyautey, inaugure la plus belle et la plus grande exposition coloniale jamais imaginée. Plus de 8 millions de visiteurs vont se presser au bois de Vincennes, où l'on a prolongé spécialement la ligne 8 du métropolitain parisien. Et voilà les Français, armés parfois de petites caméras, qui découvrent époustouflés ces territoires mystérieux de l'Empire, que l'on a ici reconstitués avec minutie. Tout a été pensé pour offrir l'image d'un monde colonial idéalisé et parfait, où chacun peut déambuler à loisir d'un continent à l'autre. Mais ces visiteurs, qui profitent d'un spectacle à l'exotisme fascinant, ne peuvent imaginer que leur empire vient en réalité de vivre son apogée. Et que désormais, rien ne sera plus comme avant. Les millions de sujets de cet empire, d'Alger à Hanoï et de Tunis à Beyrouth, vont les uns après les autres remettre en cause la tutelle française. Et bientôt vont apparaître les prémices d'un effondrement qui va être accéléré par la Seconde Guerre mondiale.